Dopo la vittoria del Rassemblement National al primo turno delle elezioni legislative, la Francia si prepara a tornare alle urne domenica 7 luglio. In attesa dei risultati definitivi, gli analisti fanno il punto sulle politiche dei partiti di destra e di sinistra in relazione agli impegni della Francia nell'Unione Europea. Jordan Bardella ha annoncé que s'il était au gouvernement, il retirerait une partie de la contribution de la France au budget de l'Union européenne. Donc évidemment, ce serait une remise en cause de l'engagement de la France. Il y a un engagement à ouvrir une négociation pour réformer la libre circulation à l'intérieur de l'espace Schengen pour la réserver aux ressortissants européens. Il y a aussi l'idée d'un contrôle de l'immigration plus strict, éventuellement soutenu par un référendum pour faire passer le droit français au-dessus du droit européen. Donc là, on serait en contradiction flagrante avec le droit européen. Nonostante l'estrema destra non parli più di Frexit, ovvero dell'uscita della Francia dall'Eurozona, alcune delle proposte del Rassemblement National non sono proprio in linea con quella attuale del presidente Emmanuel Macron in Europa. La coalizione di sinistra non mette invece in discussione l'impegno del paese nei confronti dell'UE. Tuttavia, in caso di vittoria, potrebbero esserci tensioni sulle questioni di bilancio. Plus pervers que ça d'une certaine manière. Ce n'est pas une sortie de l'Union européenne, mais c'est une remise en cause de certaines politiques européennes, en tout cas de la participation de la France aux politiques européennes ou des engagements de la France. Se Bardella vorrebbe, tra le altre cose, controlli più severi sull'immigrazione e un taglio dell'IVA sull'energia, i programmi economici della coalizione di sinistra comporterebbero costi significativi, stimati in 150-200 miliardi di euro. Lorsque l'on regarde notamment la composante économique et sociale de ce programme, ça a un coût qui est chiffré à quelques 150 milliards ou 200 milliards. Et là, on retrouverait la question de la maîtrise du déficit ou de la dette publique, donc de la convergence ou en l'occurrence de la divergence de l'économie française avec l'économie de ses partenaires européens. Et puis, tout simplement, si on laisse filer ou déraper le déficit et la dette encore une fois, on serait en contradiction avec les engagements à réduire ce déficit et cette dette dans le cadre du respect du pacte de stabilité. La composizione definitiva dell'Assemblea nazionale si deciderà per lo più al secondo turno, in programma domenica 7 luglio, dove le alleanze tra i partiti possono ribaltare le tendenze viste finora.